Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un nouveau lieu secret qui vient d'apparaître sur la map de la saison 9. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et n'oublie pas le petit code créateur SoikulMakeYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant c'est parti pour la vidéo, let's go! Le nouveau lieu secret qui a été ajouté sur la map de Fortnite, c'est tout simplement la maison de John Wick, qui se trouve à côté droite de Paradise Palm, donc juste ici. Et là, regardez, vous pouvez reconnaître déjà la voiture musclée, ben, la voiture que John Wick il utilise, tout simplement, avec les deux petites lignes noires, là, comme ça. Alors, c'est pas tout, parce que franchement, l'architecture ressemble énormément à la maison de John Wick dans le 2, donc dans John Wick 2. Donc, si vous connaissez pas, c'est un putain de film. N'hésitez pas à aller le télécharger pour le regarder. Et franchement, regardez l'architecture, c'est vraiment la même que John Wick. Alors c'est pas tout, hein, parce que il y a des petits historiques qui font encore plus de clins d'œil à John Wick, tout simplement. Je vais vous montrer tout ça tout de suite, mais d'abord il faut que j'explore un peu toute la maison pour voir un peu tous les secrets. Alors j'ai pas trouvé grand chose qui était relié à John Wick, donc je cherchais une petite photo quelque part, affichée quelque part, qui montrait ben, tout simplement John Wick, ou une femme qui représentait la femme de John Wick, mais je n'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé un peu suspect, c'est une TV. C'est possible que dans le film, il y a une TV cachée dans un meuble comme ça. Donc regardez ici, on voit rien du tout à part une tête d'enfant. Je sais pas si ça correspond à quelque chose dans le film. Là, le petit cadre, il est très 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 flou, donc on voit rien du tout. Mais il y a un petit clin d'œil, même un gros clin d'œil, parce qu'en fait John Wick, dans le deuxième film, voilà, dans le numéro 2, il a voulu prendre sa retraite, donc il a enterré ses armes au sous-sol, donc les armes qu'il a enterrées, elles se trouvent juste ici. Donc attends, on va casser ça, peut-être il y a un mur caché, non? Donc normalement, voilà, regardez, en plus on voit bien que c'est un rond, et il avait enterré tout simplement ses armes, et il avait carrément maçonné au-dessus de enfin il avait bétonné au-dessus, parce que voilà, il voulait plus utiliser ses armes. Et là, quand on arrive dans le sous-sol, on entend énormément de bruit de coffres, et là vous voyez, il y a trois coffres. Donc il faut savoir que John Wick est un tueur expérimenté de ouf, et il est super professionnel dans les armes, donc il avait vraiment pas mal d'armes. Donc c'est un gros clin d'œil à son film, tout simplement. Donc voilà, je pense que il n'y a pas autre chose, j'ai pas trouvé autre chose. Donc si jamais vous avez trouvé quelque chose d'autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc le deuxième clin d'œil, hein, enfin il y a trois clins d'œil à John Wick, c'est tout simplement la maison, l'architecture, le coffre au sous-sol et ça putain de voiture qui se trouve juste devant. Donc voilà, alors si vous avez trouvé autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà qui se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoikulMec et ciao, peace.